Et salut tout le monde, c'est Larfougette, comment allez-vous? Moi je vais super bien et j'espère que vous aussi. Donc je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes sur le quatrième épisode de la série découverte de la bêta de Destiny sur PS3. Donc comme d'habitude nous allons découvrir une nouvelle facette de Destiny. Alors épisode 1, nous avons découvert le tutoriel, on va dire en gros le tout début du jeu, comment ça se passait. Épisode 2, on a affronté un boss. Épisode 3, on a fait un petit donjon quête normale. Épisode 4, on va faire le monde jeu libre, si on peut dire ça. C'est la map à l'île ouverte. Et épisode 5, le multi. Donc là, je m'en fous de parler pendant que le spectre y parle, parce que là, je vais avoir un problème réseau, voilà, tout de suite. Puis je me relancerai juste après, puis je vous ferai écouter le dialogue. Donc, comme d'habitude... Enfin, l'épisode 4, je vous l'avais prévenu dès le premier épisode, il sera commenté après avoir été filmé. Oui, fait partie des... voilà. Et, alors que le 5, lui, je l'ai filmé il y a un quart d'heure même pas. J'ai commenté en direct. Et franchement, j'ai fait une belle partie. J'ai 3 de ratio. Je pense que vous allez aimer. Enfin, après, je pense. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Moi, je perds la boule. Parce que ça fait 4 fois que je relance l'audio de cette vidéo-là, parce que j'ai mon chat qui aboie, j'ai quelqu'un qui vient me déposer un colis, j'ai le téléphone qui sonne, mon logiciel qui se met à bugger, j'ai X raisons, donc je sais même plus ce que je disais depuis tout à l'heure. À partir de maintenant, nous pouvons aller où nous voulons. Plus rien ne nous retient. Les gardiens ont placé ici des balises directement reliées à la tour. Si nous les trouvons, nous pourrons aider la cité. J'en détecte déjà quelques-unes. Donc, je voulais aussi vous dire, enfin, vous souhaiter la bienvenue à vous si vous êtes un nouveau sur la série, ou alors si depuis le premier épisode vous me suivez, et même si, je sais qu'il y en a, qui me suivent depuis mes débuts sur YouTube, je sais il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Oups, là je vais mourir. Il y a 2-3 abonnés, voilà, j'ai depuis le début, ils suivent ma série, et je sais qu'elle leur a plu quand même un petit peu. Quand même, c'est un jeu qui en vaut la peine, donc franchement, il fallait que je fasse absolument des vidéos dessus. Puis quand le jeu sortira le 9 septembre, je sais que moi ma rentrée ce serait dans ces eaux-là, mais je vous promets que le week-end. Surtout que maintenant j'ai plus d'activité sportive. Le week-end, hein, je serai plus embêté, j'aurai plus de temps pour moi, donc je ferai plus de vidéos. Normalement. Ça dépend après les cours comment ça va se passer, donc... Mais bon, au moment, voilà, on est en vacances, je suis en vacances, je me repose chez moi, tranquille. Après avoir travaillé une bonne semaine. Alors cette arme-là fait toujours aussi mal, et je vais en avoir une comme ça, mais en beaucoup mieux dans l'épisode 5. La même, mais beaucoup plus puissante. Mais je vous spoil pas trop, hein, vous verrez. Vous voyez, c'est vraiment monde ouvert, c'est... On se balade, on fait ce qu'on veut. Les missions dans l'ordre qu'on veut. Et puis, j'ai un petit truc à vous dire, c'est... J'ai oublié de vous le dire dans l'épisode 5. C'est qu'en fait, les véhicules que vous me verrez utiliser dans le 5e épisode, ce sont des véhicules qu'on peut trouver dans le monde... voilà, quoi, comme ça. Je sais pas si on les voit dans l'épisode 4. Je sais que je suis tombé dessus à un moment donné, mais je crois que c'est après avoir fini mes vidéos. Ah, il y a un objet. Et les véhicules qu'on pourra prendre dans le mode arène, si vous pouvez appeler ça comme ça, je crois que c'est l'arène, eh bien vous pourrez les retrouver dans ce jeu libre là. Et c'est assez sympa. Donc j'ai pas filmé malheureusement, j'étais trop occupé à jouer, à penser à moi-même, vous voyez. Et oui, je suis égoïste, je le sais. Puis là, vous voyez niveau 4, dans la vidéo, je suis niveau 8. Peut-être même niveau 10, s'il n'y avait pas eu la fin du patch. Là, on est encore dans le patch 1.01, alors que dans la 5e vidéo, on sera dans le patch 1.02. Parce que le jeu était fermé le 21 et le 22, pour cause de maintenance. Et oui, il vous donne accès du 17 au 26 en ayant 2 jours fermés. Et si le 26 vous jouez, vous débloquez un icône. Ouais, c'est un icône, ils ont appelé ça comme ça. Ouais, c'est.
un truc qu'on pourrait pas voir autrement. Est-ce que ce sera genre Tester Destiny ou un vieux, le vieux de la, les vieux de la vieille, enfin un truc comme ça, je sais pas, on peut imaginer. Alors l'épisode 2, on avait un boss ici. Là on a des petits mobs. Je vais les prendre, voilà, comme ça. Je les réunis au milieu si j'arrive. Puis je lance une petite grenade. Alors oui, je faille toujours mon attaque au corps à corps. Et je vois que non, j'ai pas lancé de grenade. Ah oui, parce que là, je vais essayer absolument de lancer mon... Voilà, cette attaque-là, mon supernova, que je viens de débloquer. Là, c'est le tout premier que je fais. Et ça va être, je crois, le seul de la vidéo. Ou peut-être, il y aura un deuxième. Mais tellement c'est long à recharger. Et tellement je vais les foirer. Enfin, les foirer dans le sens, je ne saurais pas comment l'activer. Ça va être très long. En multi, ce truc, il peut vous sauver la vie, mais... D'ailleurs, vous verrez faire un magnifique doublé avec... Et un kick de fin avec ce tir Nova. Je vous en dis pas plus. Je vous laisse découvrir quand la vidéo sera sortie, évidemment. Parce que si à l'heure où vous regardez cette vidéo là, le 5e épisode n'est pas encore sorti, je sais qu'il y en a qui vont le voir avant que le 5e épisode sera posté sur YouTube. Je peux pas faire plus vite que la musique. Je peux pas poster deux vidéos en même temps. Surtout que chez moi, j'ai beau avoir débridé ma connexion internet sur mon PC, avoir boosté à mort, bande passante, excusez-moi, et tout ça. Voilà quoi, mon connexion Orange, c'est pas... Voilà quoi. Pour faire de dessin. Donc là, vous voyez qu'il y a d'autres joueurs avec moi qui sont en mode monde ouvert, on va dire. Alors, cette arme, vous voyez, je fais des... Je sais même plus. Vraiment, ça fait longtemps que j'ai joué avec. Je sais même plus si je fais des une balle par une balle ou si je fais des en rafale. J'ai oublié. Alors voilà, il faut que je monte là-haut. Et je vais galérer à un point pas possible pour grimper là-haut. Enfin, excusez-moi, fatigué. Je vais galérer, mais c'est le truc intersidéral, quoi. Et je kiffe cette grenade. Même si après j'aurais mieux. Et je voudrais savoir dans les commentaires, vous dites comment vous trouvez ce jeu. De 1 à 10, de 0 à 10, on va faire ça de 0 à 10. Parce que si je dis 1. Il y en a qui vont faire « Eh, mais si on n'aime pas le jeu, on n'aime pas les FPS, c'est vos droits, on n'a quand même pas les FPS. » Voyez-vous, moi j'ai eu la PS3, j'ai jamais joué à un Halo de ma vie. Halo, j'ai jamais joué et j'ai pas envie de tester. Personnellement, si je suis chez des potes, ils m'ont dit « Ouais, tu veux tester Halo ?» J'ai pas... Ça me tentait pas. Alors Destiny, je sais pas, c'est plus... Voilà. Et j'ai vu que dans certains commentaires de mes précédentes vidéos, beaucoup de gens m'avaient dit « Ouais, mais compare pas trop avec Call of Duty, parce que Call of Duty, voilà, c'est de la merde, on n'aime pas. » Oui, je sais, moi aussi, à un moment donné, Call of Duty, ça... J'aimais beaucoup ce jeu-là, et puis... Des illusions. Il y en a eu trop, en fait. Ce qui a fait le succès de Call of Duty, c'est World at War, Modern Warfare 1 et 2. Il y a le 3 qui a pas été aimé par beaucoup de gens. Personnellement, moi, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé, ouais, j'ai pas accroché autant que sur Modern Warfare 2, que je trouvais mieux réussi côté graphisme, à petit lag, mais voilà, quoi, c'est... Après, c'est une question de goût, ah voilà, je teste mon arme, parce que j'ai pas encore beaucoup joué avec. On peut appeler ça une arme lourde, l'arme secondaire, mais vous verrez qu'après une arme lourde, ça fera beaucoup plus de dégâts. Là, le boss, voilà. J'ai le superchargé. Je vais quand même pas utiliser mon Tiernova pour tuer un truc qui doit avoir même pas 20 PV. Quand 3 balles, je peux tuer. Ça serait inutile et du gâchis pour un super tir où on vous vend en troisième personne faire le Kamehameha de la mort. C'est... Un délice. Donc là, je suis toujours en galère pour monter sur le toit. Et vous allez voir que la solution est extrêmement conne. Quand je vais la trouver, vous allez vraiment vous dire « Oh putain, que c'était galère !» Mais au moins, je saurai qu'est-ce que je dois faire dans
dans le jeu quand il sera sorti. Et puis je reçois toujours des invitations de jeu sur ma PS3. Enfin, des invitations de jeu. Des invitations d'amis et de jeux aussi, mais beaucoup moins de jeux, plus d'amis. Là, j'en ai encore accepté deux tout à l'heure, alors que j'ai joué il y a 3 jours. Il a explosé. Il a littéralement explosé. D'accord. Si tu veux faire ça, toi t'es là, tu fais quoi? Tu dois avoir en train de parler, je vois les petits points. Il se fait tirer dessus, je vais l'aider quand même. Je sais que je peux être méchant, mais à ce point-là. Ah, et ce monde ouvert, actif, tout ça, je le. Ah, perso, j'adore. J'accroche. Je sais, je me répète beaucoup dans les vidéos que j'ai dit que j'adore ce jeu, mais. C'est ça, c'est vrai, j'aime ce jeu, c'est. Ce jeu, quand si on me demande personnellement, on me dirait, tu préfères quoi? Call of ou Destiny? Je préfère largement Destiny. Là, je teste de monter sur le toit. Je sais pas si ça va marcher, mais ça va marcher. Moi, si on m'offre la PS4, on voit Destiny, mais. Mais je suis heureux. Voilà, faut que je me mette là et que je fasse des. Que je regarde juste mes ennemis, quoi. Je suis ravi. Mais je vais aider quand même. Donc vous voyez, c'est vraiment du. Excellent. Je vais prévenir. Des missions rapides, quoi. Zavala. C'est un peu le. Zavala, c'est un peu le mec de la tour. Alors les points verts, vous pouvez voir qu'ils brillent. C'est en gros, c'est les missions, les objectifs. Et je vais en faire un vite fait ou pas? Non, je vais pas avoir le temps. Donc. Oh, quoi que. Je tue ça là-haut, il m'énerve. Franchement, ça m'énerve. Bon, allez, on va prendre la mission. Et je vais vous la faire. Notre flotte grossit. Mais nous aimerions récupérer certains des équipements de l'ennemi. Notre spectre décryptera les détails. En gros, faut que je tue des déchus. Alors les rébus, c'est ceux qui ont des couteaux là et des trucs tout fins avec une tête orange. Et ceux qui sont blancs avec genre 6 bras. Enfin ouais, ça c'est un rébus. Et les blancs avec des armes, c'est les vandales. Et là, faut que je récupère de l'éther pour je sais pas trop quoi. Et voilà, c'est comme, je sais pas moi, c'est vraiment des missions simples de début pour vous apprendre à jouer, sûrement pour vous mettre en phase avec les quêtes, parce que niveau 8, bon, c'est un peu pareil. Le plus galère, c'est quand vous êtes à plusieurs et que vous devez tuer des mobs pour récupérer ça, c'est pas que c'est chiant, mais quand vous êtes à plusieurs, des fois vous n'avez pas les mêmes quêtes et donc les mecs ils récupèrent des trucs que vous n'avez pas récupéré et il faut pas tomber de l'éther quoi en fait. Ah, le mec il en a lâché un. Je me fais mitrailler là, c'est pas possible. Aïe 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 aïe. Allez. C'est bon, j'ai récupéré de l'éther. Toi, est-ce que tu auras de l'éther? Non, mais j'ai récupéré une arme. Ah, il y en a un là-haut, je vais le récupérer. Et puis voilà, on va terminer cette vidéo sur ça. Je tue ce vandal, je récupère son éther, et puis voilà. Mission terminée. C'est bon. Donc, on s'arrête là pour la vidéo. Je vous retrouve. Enfin, je vous retrouve. Je vous donne rendez-vous pour le 5e épisode. Alors, d'ici là, portez-vous bien. Commentez-moi cette vidéo s'il vous plaît. Abonnez-vous, likez-la, partagez-la. Comme d'habitude en fait. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.